Donc là, on va essayer de récupérer des lunettes. Là, ça fait un mois que j'attends. Ce que vous me dites, c'est que finalement, sur la mutuelle de base, il y a la garantie casse. Ah, ben je savais pas ça. Parce qu'on ne le dit pas. Dire garantie de la mutuelle. D'accord. Mais alors, pourquoi le monsieur, il avait essayé de me faire payer en plus pour une garantie du magasin? Ah, j'ai passé la commande le 2 mai. Ça fait 5 semaines. Donc là, je vais rentrer dans le magasin, je vais faire un scandale. Comme d'habitude, les deux moyens pour soutenir la chaîne, cliquez sur le lien PayPal et cliquez sur le bouton rejoindre pour avoir plein d'avantages et soutenir la chaîne. Là, il y a du foutage de gueule dans l'air, sachant que ces gens-là, même pas ils te rappellent pour dire j'ai relancé la fabrication des verres, je sais pas quoi, c'est à toi à chaque fois de venir galérer. Là, ça, tu vas voir un petit peu, ça va partir en sucette là. Bon, bref, je suis sorti, là, j'ai demandé les verres en disant, elle suppose que ça s'est cassé, elle est même pas sûre hein, que ce soit cassé. Hein. Elle suppose que ça s'est cassé, elle me dit ça pour genre que je trouve que c'est normal. Mais enfin, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Je sais pas, comme je dis à mon bébé, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dans leur usine, s'ils font des coloriages du matin au soir, mais enfin, c'est inadmissible en 2024. Alors non, mais ça fait un mois à un quart, puis là, j'ai reçu un mail hier, comme quoi, enfin, un SMS, comme quoi c'était arrivé. Donc, quoi. Ah. Ouais, ce qui m'a quand même serré un petit peu, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un peu lâche. Parce que je sais que ça se dévisse assez rapidement avec le temps. Alors, oui, chérie, t'as encore un petit peu de biberon là. Bah, t'as bien raison, chérie. Non. On va Alors, je vous l'avais envoyé par mail, hein, le lendemain de l'entretien, on sera pas beau. Donc, peut-être en mesure de m'envoyer, je vais retomber. Normalement, elle est par contre. Donc, ça, a priori, ça l'a fait. Il y a quelques problèmes. Donc, moi, j'avais discuté avec mon collègue par rapport à un geste commercial. Un mois, une semaine pour avoir des lunettes. Moi, ça m'a beaucoup embêté, sachant que j'avais des rendez-vous importants au niveau du boulot la trois semaines. Je suis pas à l'aise. Et même en de délai, voilà, j'ai demandé un geste commercial. Ça, c'est pas de l'autre
Et la garantie, du coup, là, qui a pris le plus en garantie, je crois que c'est ça. J'ai pas de papier pour noter. Alors, ce que vous me dites, c'est que finalement, sur la mutuelle de base, il y a la garantie CAS. Ah, ben je savais pas ça, parce qu'on ne le dit pas. Mais en fait, là, après, je vais vous remettre. Ouais. Sur votre facture, vous allez avoir marqué contrat partenaire. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire garantie de la mutuelle. D'accord, mais alors pourquoi le monsieur il avait essayé de me faire payer en plus pour une garantie du magasin? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la nuance, c'est que la garantie de la mutuelle, oui, c'est une garantie cassé-rayure. Cassé-rayure. Un seul joker. Un seul joker. Ah, c'est un one-shot, ok. Ça veut dire que si vous, vous cassez la monture, vous rayez un des deux verres, bah, c'est un remplacement offert. Alors que la garantie de grand optical, c'est vraiment sur les deux verres et la monture, on peut casser plusieurs fois les éléments. D'accord. C'est ça la nuance. Mais... Oh, ok, bon, c'est la nuance. Bah, ça aurait été bien que je puisse le savoir parce que j'ai failli. À accepter du coup, puis, comme ça faisait cher. Ouais, après, je conçois toujours que pour les adultes, bon, voilà, on peut s'en passer. C'est important à savoir parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Alors, les gens qui n'ont pas de mutuelle, je peux comprendre, mais les gens qui ont une mutuelle, c'est bien de le préciser parce que après, voilà, c'est des professionnels, c'est pas que des vendeurs. Là. Et ben ça marche. Mon coquin! Non, oui, carte, oui, carte. Et ça, ce qui aurait été sympa, c'est que, bah, je ne sais pas, vous n'avez pas des petites lunettes solaires pour les bébés ou pour les enfants, sans correction. J'aurais été content que tu puisses repartir avec une petite solaire. Solaire petite, ouais. Ça m'aurait fait plaisir. Là, j'aurais été content. Là. Potentiellement, oui, on peut regarder. Ah, oui, tu as raison, chien. T'as raison. Carrément, c'est vrai tout ça. Tu sais que c'est ça, mon bouche. Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Je savais pas, moi, que c'était tout ça. Alors, regardez pour ce type de monture. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est que je suis plus autorisé à vous faire un montre à course. Ah, bah non, ça ne m'intéresse pas. Bon, donc, bah, oui, faire 39 divisé par 2. Ça fait une fois là, mais moi, je vous parlais d'un cadeau, monsieur. Je vous parlais pas de vous en vendre. Je comprends, mais moi, je suis pas autorisé à. Bah, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Bah, écoutez, on va en rester là. Ça aurait fait plaisir à sa maman, surtout, puisqu'elle a une ordonnance pour commander des nouvelles lunettes. Ça lui aurait un petit peu. Parce que je vais raconter ma mésaventure, je vous raconte pas qu'elle n'est pas emballée. Là. Donc, bah, ok, pas de soucis, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est bien, merci. Je me souviens bien que le délai là, qu'on m'a imposé, il est vraiment hors norme. Hein. Que vous avez quand même des contrats qui font des lunettes en une heure. En 24, ça m'a vraiment beaucoup choqué. C'est là à peu près dans tous les pays, comme plus vite que 5 semaines. D'ailleurs, les lunettes sont plus froides, du coup, les lunettes vertes. Totalement, c'est fréquent. Ah ouais, bon. Vous avez essayé. C'est bizarre. Je vais pour faire la petite signature. Pas de soucis. Ouais. Hop. Voilà. Je scanne ça et puis c'est... Pas de soucis. Je pourrais en avoir une copie, ça vous embête pas? Alors, je peux pas vous donner la tour. Enfin, ah bon? Pour le professionnel de son. C'est pour eux? Le professionnel de son. D'accord, sans souci. Après, sur le devis, vous retrouvez la même chose. D'accord, non, mais bus. J'ai pas l'habitude de signer de prise en charge, je vais pas être facturé deux fois, enfin je vais pas être décompté deux fois, non. Ah, pas du tout, là, d'accord. Ça y est, on a fini, chérie. On va s'en aller. Voilà, les amis. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein. On a réussi à gratter 39 € de supplément pour les lunettes et les montures qui n'étaient pas pris en charge par la mutuelle. On a gratté des étuis Ray-Ban. On a gratté 3 kits de nettoyage.
J'ai failli obtenir une paire de lunettes solaires gratuites pour mon gamin. Mais bon, Zarma, il a été voir son responsable et ils lui ont dit non, c'est pas possible. Bon, bref, un peu des rats, parce que franchement, 5 semaines pour avoir des lunettes, sachant que la valeur faciale des lunettes, c'est 470 €. Donc, ils sont un peu rats quand même. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils puissent m'offrir au moins la paire de lunettes pour le gamin. La solaire, ça leur coûte rien, ça leur coûte des centimes, mais même pas, quoi. Donc, un peu des rats. Après, c'est un peu, je pense, l'époque qui veut ça. En tout cas, on a gratté au maximum. Et puis, bah voilà, Marlich, on passe à autre chose. Salut les amis, ciao les négociateurs.